ça, faut que je quitte. Est-ce que on est OK? Est-ce qu'on m'entend bien? On m'entend bien. Bon, on va attendre une petite minute que les gens arrivent. Ça, c'est bon. Hop, alors je ne sais absolument pas comment je vais faire ma photo pour mon tuto de 4 véhicules d'un coup. C'est une bonne question. Ta. 4 véhicules d'un coup. Comment tu veux que je fasse ça? Je peux pas mettre 4 véhicules sur la même photo. Comment je fais? Comment je fais, moi? Ça. Merde, il est où le dernier? Comment est-ce que tu veux que je fasse ça, moi? C'est impossible. Non, pas d'économiseur d'écran, la télé, merci. Bon, alors, est-ce qu'il y a du monde? Yo Tornio, yo Paco, salut Lucas. Miniaturise les photos, fais comme des photos d'identité. Ouais, mais c'est pour ma miniature, donc je sais pas. Je sais pas comment je peux faire. Je fais mon tuto là, j'ai fait 4 véhicules d'un coup. C'est un petit peu gênant. C'est un petit peu gênant. Le problème, faut quand même qu'on voit ce que j'ai fait, quoi. C'est ça le blême. C'est faut que je mette 4 véhicules sur le même truc. Et en miniature d'identité, on verra que dalle. On verra que dalle. Donc va falloir que je bosse mon machin, ça va être un enfer. Quoi que tu me diras, j'ai prévu un. Oh là 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 là. Ça va être surchargé, ça va être un truc de fou. Ça va être un truc de fou. Bon, bref, on va passer au gameplay. Ça sera plus intéressant pour vous. Je laisse un petit peu de temps pour les gens, pour qu'ils arrivent. Ouais, je regarderai tout à l'heure. De toute façon, la vidéo, elle n'est pas prête d'être en ligne. Je suis déjà en train d'uploader la vidéo pour le Derry 15C, là, que j'ai fait en tuto début de jeu. Ça sera déjà pas mal. Hop. Ouais, ça va être moche, hein. Bon, je regarderai tout ça tout à l'heure. Alors. Salut Max, salut Chalaway. Allez, on est go. Bon, qu'est-ce qu'on a à faire dans ce bordel? Il y a des zones que j'ai pas explorées, où il y a potentiellement des missions. Alors, ça serait peut-être pas mal que j'aille essayer d'aller les chercher. Il y avait loin, très loin, je crois, je l'ai pas. Viens voir qu'est-ce que j'ai en tâche. Point d'eau 2. Alors, il y a le point d'eau 3, je crois que je l'ai trouvé. Quand j'ai fait les défis ou je sais plus quoi. Il doit être là, voilà. Donc, il va falloir aller se promener un petit peu, aller chercher ce que j'ai pas. Point d'eau 1, point d'eau 2, je sais même pas combien il m'en manque. Donc faut qu'on essaie d'aller là, je pense qu'il y a quelque chose. Sortir les débris de la mine.
J'ai pas allé sortir les débris de la mine alors que c'est à côté de chez moi? Ah bah ça va pas le faire. Allez, c'est parti. Alors, on va mettre la journée. On va se mettre un petit peu de son pour moi. Ok. Bon, on va essayer un petit peu ce 15C. Bon, je l'ai changé un petit peu de gueule. Il est pas mal, hein. Il est pas si moche, hein. Bon, le module de toit est pas terrible. Les pneus, je lui ai mis des pneus boue. J'ai pas mis forcément les meilleurs, mais j'en ai mis déjà qui sont un peu mieux. Et qui ont du style. Et je sais pas si du coup il y a une amélioration de moteur à trouver sur cette carte. Je verrai ça. Alors, est-ce que cette tâche-là, je l'ai débloquée? Je sais pas. Bon, je sais même pas si je l'ai débloquée. Hop. Accès à l'emplacement. Faut que j'emmène deux bennes de déchets. Ok. Visiblement là-bas, d'accord. Bon, on va commencer. Je sais pas si je vais chercher le Zix aujourd'hui. Je viens d'aller le chercher en tuto. Je sais pas si je vais le chercher ou si j'attends un petit peu. Si je fais des tâches, peut-être pour me familiariser avec la carte. Je m'excuse un peu pour la vidéo, la première vidéo de découverte. J'ai été assez blasé par les capacités du Zix, par l'absence de DLC payant supplémentaire pour avoir quelques petits camions en plus. Pour avoir une petite nouveauté à nous mettre sous la dent pour nous qui ne jouons pas au PTS. Et ça m'a un peu fait vriller hier. Et du coup, j'ai pas vraiment profité de la carte qui n'est pas si mauvaise que j'ai pu le dire hier. Donc voilà. Je tenais à le dire quand même. J'ai joué en faisant les tutos. Et j'ai joué avec un Fistar. Et effectivement, en fait, ça passe tout seul. Je me suis peut-être aussi un peu mis un défi compliqué. Bon, au moins, je l'ai fait. Pour dépanner ce Derry, c'est vrai qu'il est tellement lourd que le mettre. Bon, je sais pas combien pèse le Kirovets K7M, mais je l'avais mis quand même sur le 113, 73-210. Et ouais, j'étais peut-être honnête, mais j'étais peut-être un peu blasé aussi, je pense. J'avais pas. J'étais un peu. Tu vois, j'attendais aussi, j'étais levé depuis 9h, j'attendais des colis. Le mec, il est arrivé à 14h et quelques. Pour finalement. Normalement, ça devait être compte signature. Le mec, il allait y foutre dans la boîte aux lettres. Ok, donc du coup j'attendais comme un pouilleux pour que dalle pratiquement. C'est quand même un téléphone à 600 balles, normalement ça devrait être compte signature, mais non, il allait le foutre dans la boîte, rien à foutre. Et pas de signature, donc plein de petites choses qui m'ont un peu gavé, et du coup j'étais pas forcément dedans, en état d'esprit. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à SnowRunner, donc j'étais plus tellement habitué à me traîner, etc. Donc j'ai. Puis les rétros, les rétros, les rétros frères, comme on dit. Les rétros, frère, sérieux. Aide-moi ça. Magnifique. Ça me fait péter un cap, ça. Salut Jimbo. Ça va et toi? Ça me fait péter un cap de voir ça. T'as un camion. Bon, il y a un camion qui m'intéresse, moi. Le Zix m'intéresse pas. Ça, après, c'est les goûts et les couleurs. Mais il y a un camion qui m'intéresse. Le machin, il est buggé, quoi. Merde. Il y a un moment, faut faire quelque chose, quoi. C'est plus possible, tu peux pas sortir un truc avec les rétros qui soient foutus. Même sur PC apparemment. Hein. J'ai vu Mousse hier, un autre Twitcher. Il avait ses rétros. Alors c'était un peu moins pire, on va dire. Mais c'était de la merde aussi, quoi. Il y a un moment, c'est pas possible. Bon, je me demande si je vais pas faire des tâches, en fait. Hein. Je sais pas si je vais pas attaquer directement. Hein. Tant que je suis dessus, là, je fais la découverte, je découvre en même temps un truc. On va peut-être faire ça. Hein. Deux bennes de déchets. Ah, il consomme pas trop l'Aldéry avec ce que je lui ai mis en moteur. Bon, allez, on va faire des tâches. Moi aussi, je suis un peu dégoûté pour le jeu. Il fait aucun effort, ses programmateurs, tous des stagiaires. Est-ce que les rétros, elles sont bourrées? Baf. Moi je l'ai dit, j'ai plutôt l'impression que c'est une mouche qui s'est pris une gifle, hein. Avec les antennes à moitié tordues, là, c'est ça, hein. Ça me fait vraiment de la peine, quoi. Hein. T'as un camion qui est quand même très intéressant. Un camion américain qui est capable, dans la réalité en tout cas. Ah, j'étais en vitesse lente, moi, depuis tout à l'heure. Ah, c'est peut-être pour ça aussi que je me traînais encore un peu plus. T'as un camion américain qui est intéressant, ils sont foutus de te le foirer. Il y a un moment, c'est pas possible. C'est pas possible, quoi.
Il est déjà pas ouf visuellement parce qu'il est nettement plus badass dans la réalité, le Oshkosh MTT. Et en plus de ça, il a pas de bonne capacité et il est buggé au niveau visuel. Bon, stop. Stop, arrêtez d'en jeter, la coupe est pleine, comme on dit. Donc, tout ça accumulé, ça m'a vraiment gonflé hier. Alors, la fois, tu as dit que la réalité était trop cheatée pour le jeu. Bah ouais, c'est un peu ça, des fois. Hein. Des fois, la réalité est trop cheatée pour les développeurs, ils trouvent que c'est trop puissant pour eux, donc... Je ne sais pas si tu as vu, mais il y en a... Enfin, un chemin d'accès à l'entrepôt, tu passes par la droite sortant du garage, à la fin du deuxième virage. T'inquiète pas, j'ai fait le tuto hier, je l'ai pas posté là encore. J'ai fait le tuto pour faire avec le Fistar début de jeu, le garage et les tunnels. Et je viens de faire deux tutos là, un pour ce derry et un pour 4 camions d'un coup. Le Zix, 114 SD, Hank Civil et MH9500. Donc t'inquiète, j'ai déjà bien taffé la map en fait, demandant mon petit coin. Mais pas celle-là en tout cas, pas cette partie. Hein. C'est un camion américain, faut bien le rendre nul. Ah bah oui, c'est exactement ça. Hein. Attends, c'est un camion américain, faut surtout pas qu'il soit bon. Moi j'ai hâte de voir, c'est ce qu'ils vont nous ajouter en Kenworth et en Mac. Est-ce qu'ils vont nous mettre des camions autoroute de merde ou est-ce qu'ils vont essayer d'aller piocher un petit peu dans certains trucs pour que ça ait un peu de gueule, un peu de peps en off-road. On verra. On verra. Ça rejoint le passage au niveau de la flotte. C'est cool, on va se régaler. Alors, la vidéo pour le garage, elle est déjà prête. J'ai plus qu'à la valider et la poster. La vidéo du derry, elle est exportée à 70%. Bon, après, il faudra la convertir. Et puis, il faudra que j'exporte la vidéo. La vidéo. Je l'ai cette tâche-là ou pas? Alors, je vais mettre la qualité graphique à zéro, histoire de ne pas me bouffer du débit pour exporter les vidéos en même temps. Comme ça, ce soir, vers 19-20 h, peut-être que je pourrai exporter tout ça bien comme il faut. Ça, je l'ai déjà. Ok. Ah oui, le Scout 800. D'accord. Il y a encore un ou deux tutos à faire de véhicules. Je crois qu'il n'y a plus que le Scout 800. Mais ils sont quand même très généreux encore sur cette map, même s'ils font un peu plus de boulot que la phase 8. En combien de temps j'ai fait ça, viens voir. En 38 minutes. Alors après avoir fait le garage et le déblocage de tunnel, les deux premiers contrats obligatoires, en 38 minutes j'ai débloqué 4 camions. Et il y en a 3, t'as juste à les téléporter. C'est plutôt correct. Un Hank Civil, un 114 SD qui est bloqué normalement au niveau. Attends, faut que je livre où moi? Ah merde! Merde, je parle et c'est pas là qu'il faut que j'aille. Ah merde! Bon, ça va, j'ai pas perdu trop de. J'ai pas perdu trop de terrain, c'était juste là qu'il faut que j'aille. Et c'est où qu'il faut que je livre? Bah, ça me permettra de passer chercher loin, trop loin là. Donc, faut que je prenne ça. Ça va peut-être pas être facile à aller la chercher. Ah bah je vais pouvoir passer prendre ça aussi. Ah bah Young, ça va bien tomber en fait, ça va me faire faire l'exploration en même temps que la tâche. Bon bah écoute. Ah j'aurais pu, oui j'aurais pu partir par là en fait. Ah ouais d'accord, ouais bah la deuxième je serais plus intelligent et j'aurais peut-être une remorque. Hein. Ce serait peut-être un peu moins débile. Ou alors je vais chercher tout de suite une remorque. Je suis au garage. Je vais plutôt aller chercher tout de suite une remorque peut-être et aller livrer le tout. Parce que là, ça serait un peu débile. Comme ça, je vais faire un petit plein au passage et puis voilà. Voilà. Bon. Bon, il consomme pas tant que ça le derry avec ce moteur. Je pense qu'il est. C'est un bon compromis. Et on se retrouve avec un Tatra Force. Hein. C'est un Tatra Force en fait. Hein. Il est pas dégueu, avec le pare-choc ça le rend un petit peu plus badass. Avec les pneus aussi, ça le rend pas mal, je trouve. Il y a des pneus un peu plus ballons, les MHS2 qui sont meilleurs, mais ça m'embête un peu. Je les trouve un peu trop ballons, un peu trop.
J'aurais presque pu avoir une remorque RNG là. Ça aurait été bien. J'aurais pu avoir une remorque RNG pour faire plus militaire, ça aurait été stylé. Vu que les développeurs veulent pas nous donner du militaire. Et à voir, ça donne quoi? Ouah, ça va. Ça va. Ah, c'est con, j'aurais dû mettre du RNG, tiens. Avec un petit pack mode RNG, j'aurais pu avoir une couleur sable. Donc une couleur fluo là. Ça aurait été un peu moins bête. Ah non, il n'y a pas moyen de couper. Hein. On va pas s'y risquer. Bon alors pourquoi foutre la touche, la tâche ici si c'est pas pour ni livrer ni récupérer, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Alors on a toute une gamme au niveau vitesse, c'est pas mal. Bon, la vitesse haute est pas fofolle. Ah si, elle va pas trop mal, hein. Mais elle consomme un peu plus quand même. Bon alors hier, je sais pas si vous avez vu, j'ai testé les véhicules de SnowRunner dans Dakar. J'ai mis la vidéo sur YouTube. C'est particulier. Quand t'as un Zix, il fait du 178 km/h, je crois. C'est particulier. C'est très bizarre. Très très bizarre. C'est un petit peu choquant. Bon alors par contre du coup petit correctif, ils ont pas mis une rambarde de camouflage au Warthog, mais ils ont mis une rambarde colorable. Enfin elle est colorée. Parce qu'on peut pas modifier la couleur des véhicules, même si pourtant j'ai vu, alors je sais pas trop pourquoi, j'ai vu les véhicules sur des photos. L'Actaeon a un camouflage, mais dans le jeu il est rouge. Donc je sais pas trop ce qui se passe. J'ai pas trop trop compris. Les véhicules sont plus beaux sur Dakar que dans le jeu. Ouais, ils sont un peu plus, ils font un peu plus neufs. Ils font un peu moins épave, ouais, des fois, ouais. Pourquoi n'as-tu pas turgé le deuxième conteneur déchets au-dessus de l'autre dès le début? Ah non, sûrement pas. Ah sûrement pas. Alors là, ça risque pas. Je ne fais pas de chargement dégueulasse, moi. Non, non, tu verras pas ça ici, hein. Ou alors vraiment pour rigoler, mais je fais pas de chargement sur un chargement. Ah non, c'est pour bouffer le temps de jeu. Déjà, j'ai pas fait gaffe que j'aurais pu prendre une remorque, etc. Je pensais qu'il fallait faire vraiment un petit aller-retour. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris de remorque à la base. Mais ah non, non, tu me verras pas faire du chargement dégueulasse. Ah non, sûrement pas. Pas de ça ici. Les gens, vous faites ce que vous voulez, mais alors moi, sûrement pas. Le temps de jeu est précieux, on paye pour avoir du contenu, il n'y en aura pas avant 4-5 mois. Donc autant prendre son temps tranquillou, profiter du truc que de rusher à charger des trucs les uns dessus des autres. En plus, je suis pas sûr qu'avec la barre ça tienne bien. Peut-être que ça traverse, je sais pas. Mais non, moi j'ai pas du tout envie de. J'ai pas du tout envie de faire ça. Bon. Alors il avance pas et il tourne pas. Ça, c'est acquis. Je sais même pas avec cette grue-là si je vais réussir à charger. Il va peut-être falloir que je désaccroche. Que je décroche plutôt. Très bonne philosophie. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi j'en ai rien à foutre. Si vous avez envie de mettre des trucs sur des trucs, je m'en fous, hein. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi j'aime pas ça. Et je préfère prendre mon temps. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce qu'il y aura des missions? Il faudra vraiment éteindre un feu ou non? Absolument pas. Jamais de la vie. Ça réclame vraiment tout un moteur graphique en plus. Enfin tout un truc. Tiens. Ah oui, bah oui, il est. Ouais. Ouais, bah,
Alors déjà, c'est pareil, tiens, ça me fait penser à un petit truc, vite fait, une petite, un petit pic planté dans la tête là. Le flou cinétique, c'est très marrant, c'est qu'à chaque fois il faut le désactiver quand on démarre le jeu. C'est pareil sur leurs autres jeux, hein. Je joue à A Plague Tale Requiem, pareil, à chaque fois que tu relances le jeu, ça se désactive, c'est beau ça. Ça c'est magnifique. Alors, hop. Au moins, tu sais que t'es pas perdu, t'es chez le bon éditeur. Salut Gitsun, bon courage à toi pour le boulot, merci d'être passé. Non, on n'éteindra pas de feu, on fera pas de pelleteuse, on déplacera pas de cailloux. Le SnowRunner est pas fait pour. Il n'est pas prévu pour. C'est vraiment tout un moteur graphique qu'il faut en plus. Enfin, tout un moteur, même pas que graphique, un moteur de gameplay. Parce que faut des flammes, faut qu'il détecte où tu lances l'eau, par exemple. Si c'est ce que tu veux dire, vraiment, c'est tout un truc en plus, tu peux pas. Tu peux pas ajouter ça à ton jeu, c'est pas possible. Alors c'est un peu comme, à mon avis, c'est pour aller totalement hors sujet, on va dire. C'est comme pour Skull and Bones. Ils ne rajouteront jamais, à mon avis, alors à moins qu'ils soient déjà en train de le faire, mais d'abordage de bateau, où t'as un combat, de trucs comme ça, c'est tout un gameplay en plus, tout un truc à rajouter, c'est... Tu peux pas rajouter des trucs comme ça dans un jeu, ça rajoute trop de choses, ça modifie trop le code. Vous avez vu déjà, ils nous rajoutent un camion, ils arrivent à péter le jeu. Imagine s'ils te rajoutent du gameplay, waouh. Alors là, le truc, il décède. Je vous rappelle qu'ils sont en train de nous prévoir des cross-save, c'est-à-dire que votre sauvegarde, vous pourrez la basculer en temps réel, alors peut-être pas en temps réel, mais presque, entre deux supports. Entre la Switch et la Xbox, la PS4, la Switch ou je sais pas quoi. Vous imaginez bien que ça risque de tuer nos sauvegardes. Moi, j'espère qu'ils le feront jamais. Alors apparemment, ça pourrait passer via des espèces de codes QR ou je sais pas quoi, mais je vois pas trop comment parce qu'il n'y a pas de caméra ou autre. Donc, il faudrait passer via des navigateurs internet. Sur Switch, il n'y en a pas. Donc, je sais pas comment ils vont faire ça. Moi, ça m'inquiète énormément parce que je rappelle que sur Steam, ils ont arrêté le crossplay, le PTS, parce que ça foutait en l'air carrément les sauvegardes des joueurs. Donc là, ils vont nous mettre du cross-save, donc ils vont tout tuer. Hein. Ouais, c'est juste livrer de l'eau hein, dans cette phase. On livre de l'eau dans les cuves, là, dans les merdes, comment ça s'appelle, les châteaux d'eau. C'est terminé. Hein. C'est fini, vous avez fait le pompier. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire dans le jeu. C'est décevant, mais compréhensible. C'est compréhensible. À quoi sert le flou cinétique? En fait, quand tu tournes la caméra, ça fait un flou. Ça fait un flou un peu réaliste, comme ton œil, en fait, qui n'arrive pas à voir en 4K 60 FPS, quoi. Quand tu tournes le regard, je sais pas si l'œil est comme ça dans enfin, dans la réalité, oui, on va dire. Mais en gros, c'est comme si tu pouvais pas faire la mise au point, quoi. C'est un petit peu flou quand tu tournes, tandis que là, tu vois tout net. Le camion est pas flou quand tu tournes, tandis que si tu mets le flou cinétique, ça devient flou quoi. Bon déjà 100 litres de bouffée quand même, hein. Il boit l'essence, hein. Il mériterait peut-être quand même le plus gros moteur, je sais pas. J'ai un peu peur de consommer trop avec. Alors c'est bien par là, hein. Ouais. C'est bien par là. Ah, on va aller voir les camions. On retourne faire coucou aux collègues. Donc, ouais, non, on verra jamais d'extinction de feu, de modelage du terrain, tout ça. C'est quelque chose, à mon avis, qui doit être obligatoirement prévu dès le départ. C'est pas possible, quoi. Salut Star Pilote! Tu peux pas rajouter des trucs de gameplay comme ça, surtout pour ce jeu-là, etc. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué, c'est trop de choses à mettre en plus. Oula! Ah, j'ai oublié de faire ça, je pense.
C'est vrai que ça aurait été cool, mais bon, c'est pas vraiment le but du jeu. Moi, ça me choque pas. Ça me choque pas du tout. Tu vois, je suis plus choqué par des bugs, des trucs incohérents, des camions à 200 litres, des attelages qui fonctionnent pas, des trucs comme ça. Moi, je préférais qu'ils règlent ça plutôt qu'on éteigne des feux, quoi. Je m'en fous. Tu vois, il y a Firefighter Simulation là sur Xbox Series, ou même Xbox One, de toute façon. Jeu de pompier qui est très sympathique. Il n'est pas incroyable, mais il est très sympathique, franchement. Voilà. Si je veux faire le pompier, j'ai un autre jeu. Et je trouve ça bien mieux fait que d'être dans un camion pour éteindre un feu. Je préfère éteindre le feu en descendant à pied, etc. Celui-là, j'ai du mal à me réveiller. Ah, bah écoute, faut pas aider des youtubeurs trop tard le soir. Hein. Qu'est-ce que je te dise, moi? Ah, la vidéo est en cours de traitement. Elle est finie d'uploader. Donc, je vais importer la vidéo des autres camions. Mais je sais pas comment je vais faire la miniature, faudra que je la taffe tout à l'heure. Je vais déjà mettre la vidéo en ligne, ça sera déjà bien. Pendant que je joue. Si je fais pas de conneries. En même temps. J'ai pas souvenir d'être passé par là hier. J'ai dû prendre l'autre route peut-être? Alors, excusez-moi une seconde. Hop. Hop. Voilà, upload en cours. Presque. Je l'ai la tâche ici. Oui, point d'eau 1. Donc c'est bon. Hop, on est reparti. J'ai travaillé cette nuit, je finis à 8h30. Ah, d'accord. D'accord. Donc tu me regardais du boulot, toi aussi. C'est une mode, hein. Tout le monde me regarde du boulot. Bah, écoute, je t'aurais bien dit bon courage, du coup, mais je savais pas. Sur la voie express. T'es quoi, t'es gardien d'autoroute? Oula. Il y a un petit peu de mal, hein. C'est bon? Ah, pépère. Ah, il est lourdingue, hein. Franchement, il est beaucoup trop lourd. Hein. Il est beaucoup trop lourd pour ce qu'il fait, franchement, les développeurs. À un moment, il faudra arrêter de faire votre jeu, là. Il fait 19 tonnes dans la réalité, ils l'ont collé à 25. Qu'est-ce que tu veux que ça donne? Ça donne un camion qui a l'air plus lourd que le ZX, quoi. C'est aberrant, quoi. Ça peut pas en faire un bon camion, les gars. Hein. Le foutre à 25 tonnes. C'est pas possible. Une petite photo au passage. Je suis routier. Ah, d'accord. Ouais. Ah. Vraiment, il mérite d'être plus léger ce camion parce que là il est capable de rien du tout quoi. Bon, on a l'habitude avec les développeurs. Ils essaient de détruire tous les camions qui touchent. Hein. Bon, c'est dommage, ils lui ont mis trop de direction avant. Avant il fallait. Merde. Excusez-moi. Avant il fallait un parking complet pour faire un demi-tour avec le camion. Même pas un quart de virage. Il tournait que dalle au premier PTS. Hein. C'est dommage, ils auraient dû nous le mettre comme ça, qu'il soit vraiment pourri jusqu'au bout, quoi. Oula. Ouh, ça c'est pas joli.
Bon, il y a les rochers, je peux pas m'éloigner beaucoup. Oula. D'accord. Oui. Eh bah dis donc. Waouh, ils ont fait un sacré creux. Hein. Ou au moins ça adhère. Déjà pas mal. Les directionnels à l'arrière? Non, je crois pas. Non, non. Que les roues avant qui tournent. Oh non. Ah non, il y a pas. C'est pas un phénix. Hein. Salut chez Hibou. Bah écoute, ça va et toi? Je suis un peu plus posé qu'hier. Comme je disais tout à l'heure, j'étais un peu trop. J'étais plus dedans. J'étais plus dans l'esprit SnowRunner. J'étais déçu du Derry. J'étais déçu de ne pas avoir de DLC payant, etc. Et ça m'a gonflé. Donc, plus le défi de dépanner cette grosse bouse en mode roleplay. Bon, bah voilà. Ça m'a un peu gonflé. Donc, j'étais pas en forme. J'ai récupéré le deuxième camion. Moi, j'ai fait le tuto aussi. Je l'ai pas récupéré là, mais je l'ai fait en tuto. Ça va sortir ce soir. Faut que je trouve comment je vais faire la miniature avec 4 camions débloqués en une vidéo, mais ça va aller, ça va aller. Faut que je trouve un truc visuel. Faudra que je fasse aussi la vidéo pour expliquer comment débloquer les deux camions, mais en petite vidéo courte, comme je fais d'habitude. Bon, on est à la moitié de l'essence, je crois. 380 par 2, non. 150 plus 40, ça fait 190. Ouais, non, j'ai passé déjà. Ouais, franchement, pour ce qu'il est capable de faire, là, ce camion, ça me semble vraiment être une perte de temps de l'utiliser. Il est pas plus utile que ça. Il est trop lourd. Il est tellement lourd que il arrive même pas à se porter lui-même le truc. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et il lui rajoute presque un quart de son poids en plus. Mais si, c'est ça. Il est à 19 tonnes, ils l'ont mis à 25. Ils lui ont rajouté 6 tonnes. La moitié de 19 tonnes, enfin le quart de 19 tonnes, c'est 5, on va dire. Ils lui ont rajouté un quart de son poids. Ah ouais. Station de réparation est maintenant récompense. Elle est où la station de réparation? Ah, c'est ici? D'accord. Ok. J'emmène des déchets et j'ai le droit de me réparer. Est-ce que ça veut dire que je me répare avec des déchets? On n'en est pas loin. Hein. On n'est pas loin de cette idée-là. Je sais pas si c'est une bonne, un bon argumentaire, mais on n'en est pas loin. Bien, on va aller chercher ces deux trucs-là. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il y en a une huitième là, neuvième là. Où est-ce que j'en suis dans les tâches? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. 15 tâches, il me manque. Donc 15 moins 9, il m'en manque 6. C'est bien beaucoup. Moi, j'ai dû vendre mon P16 vu qu'il avait 0 force pour acheter un international. Alors, le P16, si tu lui mets un bon moteur, il va tout seul. Hein. Il est super bon. Hein. Alors, je crois qu'il faut que je retourne à droite. Hein, ouais. J'ai utilisé le P16 tout à l'heure full stock pour le dépanner, le Derry. Donc. Ah, le P12. Ah, le P12, là, c'est un cas particulier, oui. Le P12, c'est pareil, je pense qu'il est, il est assez lourdingue, il est un peu spécial. Moi, je l'aime beaucoup, c'est pour transporter les rondins moyens. Je trouve que ça lui va super bien, il est joli avec et tout, il est presque à la hauteur du coup de la remorque, ça fait vraiment un joli convoi, ça lui va très très bien. Mais c'est vrai qu'il est pas foufou, il est pas très. Il a pas beaucoup de modules. Les modeurs du coup l'ont complètement cheaté à lui mettre tout ce qui est possible et imaginable.
Mais ouais, je suis pas un grand fan du P12 à part pour le bois. Ah, ça lag. C'est dégueulasse. Alors du coup, je ne sais pas où sont les tâches qui me manquent. Le P12, j'utilise avec la grue lourde, il se débrouille bien. Oui, bah, c'est ce que j'avais fait pour Manu Game Plus, pour récupérer en mode un peu roleplay le Twin Steer. Ouais, ça va, il se débrouille. Salut Maury! Alors, le point d'eau numéro 3. Voilà. Ensuite, on va aller voir loin, très loin. Mais où sont les autres tâches? Alors, il y a peut-être des tâches que j'ai trouvées, mais que j'ai pas été récupérées. Ou peut-être qu'il y en a qui vont se débloquer, j'en sais rien. Bon, bah écoute, on fera les trucs comme on peut. Je sais pas s'il faut livrer de l'eau. Point d'eau 1. Ah non, faut réparer. D'accord. Poutre de métal, un rouleau de métal, un tuyau petit. Alors, il faudra peut-être que je regarde d'abord, c'est pour s'il y a des entrepôts à débloquer. Parce que vu que tout est en limité, va pas falloir que je fasse n'importe quoi. Planche de bois, poutre en métal. Peut-être que là, nettoyage de zone. Non, ça débloque rien. Bon, les points d'eau, ça sert à rien. Peut-être que. Alors, ça, je comprends pas trop. Ah, des points d'eau. Il y a des points d'eau et des châteaux d'eau. D'accord. Il y a les deux. Éteindre l'incendie à l'entrepôt 1. 4400, 4400, 4400. Waouh! Ah, puis du coup, je vais avoir accès à l'entrepôt après? D'accord. D'accord, donc en fait, il faut que j'éteigne les incendies pour avoir accès aux ressources. D'accord. Bon, éteindre l'incendie, hein, on en a parlé. C'est une façon de parler, hein. À plus, Chalaway, merci de passer. Dans la grosse zone noire, tu as trois tâches. Ah oui, il me reste un gros truc là. Oui. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Bon, on va déjà aller chercher celle-là. Prendre soin des touristes, je l'ai pas. Je l'ai pas non plus celle-là. Je l'ai trouvée avec la tour de guet, mais j'ai pas été la chercher. Donc ça en fait une de plus. Donc ouais, on va commencer d'être bon là. On va commencer d'être bon. Allez, on va aller chercher déjà l'autre tâche. On va ramener la remorque, je pense, au garage. Je sais pas, on va peut-être essayer d'éteindre un incendie, voir ce qu'on débloque dans les entrepôts. Peut-être essayer de faire un petit peu de livraison de flotte. Je sais pas. Contrat pour les entrepôts. Ouais, je pense. Ouais, c'est ce que je viens de voir. Eh ben, on va faire ça. On va essayer pour peut-être débloquer de la ressource. Parce que là, avec les entrepôts limités, ben, on est limité. Les points d'eau, c'est des gros entonnoirs qui récoltent la pluie. Les châteaux d'eau, pas besoin d'expliquer. C'est les châteaux qui récoltent l'eau. Ouais, c'est vrai que. Bah après, il y a les tuyaux aussi. Il faut réparer, je crois, les pipelines. Ouais, il y a pas mal de choses sympas à faire. Ouais, ça peut être cool. Après, enfin, je sais pas, j'y connais rien au niveau de comment c'est dans la réalité. Il y a beaucoup de châteaux d'eau et de points d'eau dans une nature comme ça. Je sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de châteaux d'eau, je crois, au-dessus des immeubles. Beaucoup, alors je sais pas si c'est des châteaux d'eau, c'est peut-être des récupérateurs d'eau de pluie, j'en sais rien. Là, il y a peut-être beaucoup de châteaux d'eau dans une zone boisée, parce que je sais pas. Peut-être qu'ils font ça avec les pipelines justement pour récupérer la flotte. Ah merde, c'est là-bas. J'ai été un petit peu sévère avec. Il faut bien que je passe.
Faut que je fasse gaffe à mon essence, ça va être chaud. Il y a vraiment quelqu'un qui habite là-dedans? Ils ont amené les poutres en bois à la nage ou quoi là? Il n'y a même pas un chemin en terre ou quoi que ce soit, que dalle. Pour aller chercher ses courses, lui, il lui faut un mois. Hein. Qu'est-ce qu'il veut? Deux rouleaux de métal, deux sacs de sable. Waouh! Alors du coup, ce serait presque la première phase où faudrait faire les contrats avant de faire les tâches pratiquement, parce que sinon on va vider un peu tout ce qu'il y a sur la carte avant de... Bon, de toute façon, c'est pas la même ressource pour les contrats, mais c'est un peu spécial. Bon, après, voilà, c'est des contrats, les contrats d'extinction d'eau, tout ça, voilà, c'est... C'est classé et tout, mais c'est un peu bizarre. Moi qui dis toujours, faites d'abord les tâches, débloquez les routes, ensuite faites les contrats. Là, c'est peut-être... Bon, débloquer les routes, il n'y en a pas beaucoup de bloqués ici. Il n'y a déjà pas beaucoup de routes. Oh, par contre, ce passage dans la flotte, je peux plus le voir. J'ai fait plein de trucs pour mes tutos, je l'ai fait hier plusieurs fois, Ah, je peux plus le voir ce passage-là. Bon, la vidéo, elle s'exporte. Moi, je vois pas la vidéo que j'ai exportée tout à l'heure, hein, que j'ai mis en... Ouais, d'accord. Un petit souci là. Bon, YouTube est à la masse, c'est pas grave. À plus, Jimbo, merci de passer. Bonne soirée à toi. Alors, ok, j'ai vu. Il y a une mission tout en bas. Ouais. Bon, bah c'est le chemin que j'allais prendre de toute façon. C'est quand même vraiment pas une flèche, hein. J'ai un peu l'impression d'avoir le frein à main là. Ah, ça fait la malin sur le Discord avec la possibilité sur PC de modder comme tu veux le jeu pour pouvoir prendre une remorque quand t'as le transport d'eau sur ce derry, parce que nous on n'y a pas droit. Hein. Pas s'il y a une route qui passe là, ça a l'air tout dégagé. Là, il y a une route, mais ça doit plutôt. Pff, ouais, je vais essayer de. Au pire, je passerai à travers champs. Hein. Elle m'inspire pas cette route.
Ouais, je vais changer de camion après parce que je trouve quand même qu'on se fait chier. Je l'aime beaucoup, mais ouais, quand même, quand même. C'est quand même pas fifou, hein. Bon, le skin du Fleetstar, on n'y a toujours pas droit, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils foutent. Ils ont tellement sécurisé leur DLC, comme ils disaient, qu'ils les sortent même plus. Ah, on a sécurisé, les gars. Ah ouais. On sait plus ce qu'on a foutu des clés, tellement on a sécurisé. Ouais, bientôt. Bientôt. Bon, bah bientôt. Alors, ouais, ça serait plutôt en contrebas là-bas. Ah, la petite vitesse haute, elle est pas mal, hein. Elle est pas trop mal, hein. Il y a bien un petit chemin ici. Les data mineurs, on n'en entend plus parler depuis un moment. Bah, c'est normal, c'est parce qu'ils sécurisent tout, hein. Ils essaient de supprimer tout ce qui peut être data miné. Donc du coup, d'une certaine manière, ils ont détruit tout le fun de ce qu'on pouvait se dire. Ah, il y a peut-être ça qui arrive, il y a peut-être ça, il y a peut-être des traces de ceci. Ils ont tout viré. Ils virent tout. Alors on a eu le Resvani Hercule qui avait été spoilé, mais ça, ils se sont mal démerdés. Je sais pas si j'avais pas sorti le truc trop tôt. Non, c'était dans une mise à jour PC, je crois. Enfin, PC console, c'est peut-être quand on a eu le Western Star, je sais plus. Qu'ils avaient laissé le Resvani dedans. Et du coup sur PC ils pouvaient le rendre disponible. Il était tout prêt. Mais ouais, il laisse plus rien fuiter, plus rien sortir. Donc bah on va se faire voir quoi. On peut que attendre ce que les développeurs vont nous donner et bah ils donnent rien. Donc comme ça c'est bien. Pardon? Bon, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je sais pas si on va prendre celui-là pour. Il a son module spécial, mais faut falloir faire deux allers-retours. Ou alors faudrait que j'en achète un deuxième. Bah alors déjà un, il est long. Bah alors deux, les convois étant ralentis, on va vraiment s'emmerder, hein. Salut Silica, comment tu vas?
Ouais, j'irai peut-être chercher le X plus tard. De toute façon. Hey Jif, malade à cause du poisson. Sûrement un poisson phase 9. Ah bah si t'as bouffé le poisson en aluminium, oui, ça doit rendre malade, oui. Ouais. Vu la gueule des poissons, je les mangerai pas, ceux-là. Hein. Eh ben, dis donc. Faut quand même avoir envie de souffrir un peu, hein. Salut Smith, comment ça va? C'est con, hein, il a vraiment un style, mais non, tu mérites d'aller plus vite, quoi. Je crois pas qu'il soit très très rapide dans la réalité, mais tu sens qu'il est trop lourd, il est collé au sol. J'ai une question sur SnowRunner. Eh ben, ça tombe bien, vas-y. Oh, que c'était long. Ah, t'es stylé, mais c'était long. Bon, bougez pas, je reviens dans 10 secondes. Je coupe le micro. Ah, c'est un Tatraforce, hein. C'est un Tatraforce, c'est lent, c'est capable, mais c'est chiant. Bah, pff, non, il est pas bien, non, non. Non, tu peux pas dire qu'il est bien, ce véhicule. Il y a les roues qui bougent pendant qu'il est au garage. Ouais, bah il y a les rétros aussi. Il y a les rétros, regarde quand je le rentre. Salut Otman. Bon, écoute, ça va et toi? Je suis sur PC et la sauvegarde ne se fait pas, mais quand je joue, j'ai bien la sauvegarde, sauf que quand j'arrête le jeu et que je le remets en route, rien n'a été sauvegardé. Alors les sauvegardes pour un besoin de performance, alors je sais pas si c'est uniquement sur console, mais ça m'étonnerait, ont été espacées. Donc des fois faut faire gaffe, faut pas quitter le jeu trop vite et faut pas rage-quitte le jeu, faut vraiment faire retour au menu et je crois qu'il fait une sauvegarde à ce moment-là. Salut Jav, bienvenue à toi. Je viens de finir de regarder ta dernière rediff. Eh ben écoute, ça devait pas être triste, mais parce que tu les as rabattus pour rentrer dans le garage, ils reviennent en place. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Ça va, merci alors cette découverte depuis hier. Bah écoute, ça va un peu mieux qu'hier, même si je suis toujours dégoûté de ce camion. Ce camion me semble toujours aussi inutile. Alors, tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Voilà, allez, on est parti. On va aller chercher les dernières tâches qui me manquent et puis
On va voir ce qu'on peut bosser. Hein. Toujours menu principal. Oui, je sais pas si ça sauvegarde vraiment, mais je fais menu, oui. Normalement, quand ça sauvegarde, t'as un petit icône qui s'affiche en bas à droite. Mais... Je suis pas fan de ce camion, c'est dommage. Ouais. J'avais bien fait une vidéo à ce sujet-là, non, mais j'arrive pas à la retrouver. Au sujet de quoi? Des sauvegardes? Non, j'ai pas fait de vidéo dessus, non. Non, non. Je fais pas de vidéo sur des trucs dans ce genre, là. Non, je crois pas. J'en ai parlé au détour de vidéo, mais j'en ai pas plus parlé que ça. Alors, on va aller voir par là. Alors, du coup, le contrat que j'avais regardé, c'est les 3 ou 4 entrepôts qu'on va éteindre et qu'on va débloquer. Donc, grosse mission quand même. Je sais pas trop ce qu'on va tester, sachant qu'il faut prendre de l'eau. Si ça se trouve, en fait, l'eau, je peux même pas la prendre. Il va d'abord falloir que je répare les puits d'eau, les points d'eau avant. On va voir ça, mais... On va voir ça. On va découvrir ça après. Alors, là, il y a quelque chose. Un petit peu revenu au même sur ce coup-là. Baril de produits chimiques. D'accord. Ah, une autre tâche, effectivement. Il y en a bien deux ou trois là-dedans. Une cabane, deux blocs de béton. Alors la cabane, je l'ai déjà sortie. Il faudrait peut-être que je m'en débarrasse pour éviter qu'elle traîne et qu'elle disparaisse. C'est quoi ça déjà? C'est du ciment, il me semble. Ah, faut que j'emmène la remorque à rambarde. Ouais, c'est ciment. J'avais raison. Ciment à emmener. Ok, donc j'ai. Est-ce que je suis bon là niveau des tâches? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tâches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y en a 15. Hein. Il m'en manque encore 2. J'ai vu Bad Trip. Bad Trip, je l'ai pas. Et détecteur flottant. Et donc, elles sont où vos tâches là? Alors, peut-être qu'il y en a ici. Peut-être là-dedans. Là-haut, peut-être quelque chose aussi. Oh, il y a un point d'eau là, non? Oh, il y a un point d'eau numéro 5, à mon avis, là-dedans. Ah, et par contre, je peux pas y aller là. Ah, si, je peux passer par là éventuellement. Ouais. Bon, on va finir d'explorer. Petit détail, je peux acheter les citernes d'eau. Ah, bah oui, elles sont pleines quand on les achète, du coup. Ils nous les refourguent pleines, du coup, on en a l'infini. Une bonne question. Il fallait aller voir dans le dossier du jeu pour les sauvegardes. Alors là, oui, mais c'est sur PC. Moi, je peux pas te parler du PC, je suis pas dessus, donc je vais te raconter des conneries. Donc, je sais que certains en avaient parlé. Là, je saurais pas te dire. Hein. Voyons voir. Six mille balles. Ah ouais, mais par contre, on ne sait pas si elle est remplie là.
Non, 0 sur 3700. Elle est vide. Elle est vide. J'espère que les incendies, ils ont fait une cinématique comme pour les fabrications de bâtiments. Ah bah non, le bâtiment là qui est derrière moi, on n'a même pas eu de cinématique, donc t'en auras pas. Hein. Je passe bien par menu, mais ça sauvegarde pas. Bah, je sais vraiment pas quoi te dire. Je fais l'exploration de la map avec le remorque H2 et la remorque radar, et c'est plutôt bien passé. La map était pas trop dure. Non, ouais, je pense, ça passe. Bah, le Hummer est pas fou. Hein. Bah, désolé, Jeff, j'ai pas du tout de réponse. Hein. Ça fait une lumière un peu comme avec le carburant. Vert ou bleu, je suis pas sûr. Ouais, mais on voit que c'est 0 sur 3700. C'est écrit. Salut Scorpion. Pour répondre à ta question, pour les citernes d'eau sont vides et tu dois la remplir, c'est ce que je vois. L'arnaque, bah non, c'est normal. Hein. Salut Calo, ça va et toi? C'est normal. Bon, bah. On verra ça après. Donc, le Lodestar. On va continuer vite fait l'exploration pour trouver toutes les tâches. Et on va peut-être essayer de faire une extinction de trucs. Je sais pas avec quoi. Je sais pas quel véhicule je vais prendre. Bonne et heureuse année 2023. Ouais. Bonne année à toi aussi. Je sentais pas le poids. Ah, de l'eau? Oh, de toute façon, les citernes d'essence, on sent pas spécialement le poids. Hein. Ah, excusez-moi, j'éternue. Ah, bon sang. Ah, bah bien sûr. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Touche même pas le tronc, je me prends une tarte dans la tronche. Stylé le star en rouge, on dirait une voiture de pompier. Bah ouais, normalement ça c'est un truc de pompier, je crois. Hein. C'est un truc de pompier à la base. Hein. Il me semble bien. Bon, il y a une maison, mais il n'y a pas de tâche. Eh ben, je sais pas où sont les tâches qui me manquent. Ah, mais merde, si, j'avais un truc à aller voir. J'ai désactivé le point, il est là-haut. Va falloir que je le fasse, ce pont effondré de merde, hein. Qu'est-ce qu'il faut déjà? Je crois qu'il faut. Ça serait peut-être bien que je le fasse parce qu'il va m'emmerder H24 celui-là. Une poutre en métal et un bloc de béton. Un camion 3 places et puis je dégage ce truc-là. Ah, il y a une autre maison là-bas. Peut-être aller voir. Salut Gary! À mes souhaits, merci. Pas top la phase, je trouve beaucoup de bugs en tout genre. Non, il n'y a pas de bug. Il n'y a pas de bug, voyons. Arrête de critiquer, voyons. Je me fais déjà assez insulter comme ça. Ah oui, il faut surtout pas critiquer SnowRunner, il n'y a pas de bug, voyons. Il y a deux véhicules, il y en a un de buggé déjà. Qu'est-ce que tu veux des bugs? Il n'y a pas de bug. Il y a zéro bug.
Cette maudite liste. Ah mais attends, le... Qu'est-ce que t'as toi déjà? C'est ce que je pensais. Véhicule gratuit. Alors... T'as commencé à aimer cette carte? Ouais, ça va, j'ai relativisé un peu, j'ai reposé les bases de SnowRunner, ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Ah bah le v'là. Je l'ai trouvé sans même faire exprès. Ça va mieux. Ça va mieux, effectivement. Hop là, c'est parti. Salut mafia. Le garage, c'est pas le même de la phase 6. C'est le même visuel intérieur, je crois à peu près. Mais l'extérieur, c'est pas tout à fait pareil. Je vais éviter de me taper tous les poteaux. On n'est pas sur le même style visuel. Hein. Niveau extérieur. Sûrement vite, j'ai radé le Zig chez le concessionnaire et en passant les modules sur la citerne, il s'est écrasé et en passant sur le module d'eau, il est remonté un peu. D'accord, ok. Ah, le 73, j'ai pas envie, il est trop puissant. Je vais essayer d'éviter. Derry spécial, tu m'étonnes, spécial pour ses rétroviseurs. Ouais, spécial en tout, hein, mais puissant en rien. Sauf dommage que tous les contrats et défis en enchaînaient très vite. J'ai commencé hier cette phase 9 et déjà 50%. Ah ouais, quand même! Non, t'as tracé, hein. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre son temps. Tout à l'heure, on me disait faut empiler deux trucs. Ouais, mais c'est dommage, quoi. Apparemment, il y aurait deux camions gratuits l'un à côté de l'autre. Oui. Gratuit l'un à côté de l'autre, non. Il y en a un qui est en tâche, l'autre qui est gratuit. Et il y en a encore deux autres gratuits, par contre, sur la deuxième carte. Tout ça arrive en tuto ce soir. La vidéo est en upload. Merde, je suis allé trop loin moi. Ici. Ça arrive ce soir. Mais il y a pas mal de camions gratuits. Bon, faut bosser un peu quand même, mais il y a des choses quand même très intéressantes. Hein. Bah, t'as un 114 SD, un Hank M438 civil à côté, enfin, gratuit, c'est déjà pas mal. Hein. En plus, le 114 SD étant bloqué par un level, c'est assez étonnant. Alors, j'ai pas activé la bonne tâche. Livré au pont. Ah, au port, pardon. Oh là là. Je parle du nez et en même temps je dis n'importe quoi. Ah, il y avait tout ce qu'il fallait ici? Ouais, c'est pas grave, on y récupérera après. On va vider cet entrepôt, comme ça j'aurais pu y revenir. Ça sera très bien. Et j'ai pas activé la tâche. Merci beaucoup. Voilà. Je vais y arriver. Ah, d'accord. Oui, forcément, vu qu'il y a deux choses à faire l'une après l'autre, il me l'affiche pas. Donc c'est bloc de béton. Voilà. Tuto de récupération de camions sur YouTube. Oui. Oui. Il y a le 15C qui est prêt. Et le... les 4 autres sur la deuxième map sont en cours du upload. Blessure relevable, tu sais à quoi ça sert. J'ai l'impression que ça pénalise plus qu'autre chose, à part si t'as bien chargé. Mais bon. C'est pour renforcer le châssis. Et en off-road, c'est sûr que c'est pas vraiment terrible. J'ai dit quoi? Bloc de béton? Bloc de béton. Bloc de béton, hein? Bloc de béton.
Alors on va virer tout ce bordel là. Ouais, bon, on va passer par là, ça tombe bien, il y aura de l'essence sur le chemin. J'ai pas non plus de truc là-bas. Ah oui, mais c'est un... Ouais, c'est peut-être pas le même type de château d'eau. Celui-là, c'est sûr, il y a un truc à aller faire. SD, ça va, 93 000 offerts. Ah ouais, il est à 93 000. Ouais, bah effectivement. Il est effectivement offert. Le Hank Civil aussi,